Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course Lidl. C'est parti parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais commencer par le frais. Donc, j'ai pris des îles flottantes, deux paquets pour ma fille. Je lui ai pris des marrons suisses, deux paquets. Ça, c'est la folie. Après, des petits yaourts comme ça, vous savez, avec plusieurs goûts. C'est pour, autant pour la petite que pour la grande. Elles adorent. Des Nesquik. Après, pâte à pizza. Alors, charcuterie, on a pris. Enfin, j'ai pris filet de dinde, blanc de dinde, jambon, naki. Donc, ça, c'est pour mon compagnon pour le travail. Pour lui faire, quand il veut. Enfin, il n'y a pas de reste, il prend, il se fait des sandwichs. Et aussi du salami, du gorgonzola pour les pâtes, pour la sauce. Lardons. J'ai pris deux paquets de lardons. Ouais, le deuxième il est là. Après, j'ai pris deux panais de au cabillaud, comme ça, pour changer, et deux limandes du Nord. Voilà, je me dis quand je suis toute seule le midi, enfin toute seule, là vu qu'il n'y a plus la cantine, mais quand je suis toute seule en général, c'est pas mal le midi, comme des fois j'ai la flemme de faire à manger. Du Kiri, enfin, c'est pas la marque, mais c'est pareil. Vache Kiri. Du carré. Carré. Ouais, carré, ça s'appelle. J'ai pris des crottins de chèvre comme ça. Je les ai pris comme ça parce que c'est meilleur que des fois dans les trucs tout prêts, quoi. Du Brie. Du cervelas. Pour mon copain, parce que moi je ne mange pas ça. Du chèvre. Le beurre, il est immense, j'adore. Pour faire les gâteaux, c'est l'idéal. De l'emmental. Des surimi. Alors, j'ai pris ça aussi. Ça a l'air trop trop bon. Mais il me semble que j'ai déjà goûté. Des tortellini au cèpe. Enfin, au cèpe. Donc, du coup, ça, je me dis qu'on a la flemme le soir. Même le midi. J'ai pris ça pour la flemme aussi. Vous connaissez la motivation, quoi. Des macarons. Alors, j'ai pris citron, citron vert, cassis, passion, coco. Et le deuxième, c'est des goûts plutôt basiques. C'est citron, chocolat, vanille, framboise. Ma fille, la dernière fois, elle voulait que je en achète. Et comme là, il y en avait au rayon frais, ben, j'ai pas hésité. Maintenant, on va passer au fouet, pâtes, conserves, tout ça. Des spaghettis. Ça fait une vie que j'ai pas acheté des spaghettis. Donc là, j'ai dit pourquoi pas, ça change un peu. Des wraps, parce que je compte faire des wraps avec du poulet pané. Je crois que c'est une tranche de cheddar qu'il y a dedans. Avec une sauce un peu comme McDo, les basiques. Donc voilà. Pour changer un petit peu. Bon, ben, je vous prends ce qui vient, donc c'est le chocolat. Des crunch, mais version pas chère. Du Milka. Donc ça, c'est quand, pareil, on a envie de manger des conneries. Ce qui arrive souvent. J'ai pris des chocolats dessert. Donc j'ai pris chocolat blanc, praliné et noir. Pour faire des cookies. Je me dis pour changer un petit peu, au pire, je prends un petit morceau de chaque et au moins ça fait des trois chocolats. Ça peut être très bon. Des lingettes, parce que ça dépanne toujours. J'ai pris deux paquets de coton. Voilà, je prépare le stock parce qu'il faut que j'en amène bientôt à la mam. Donc, comme elle commence début octobre, je commence à faire du stock. J'ai pris ces carrés-là, là. Mais ça, c'est trop bon. C'est la vie. Si vous n'avez jamais goûté, mais franchement, prenez-en, c'est trop trop bon. Des fois, quand j'ai fait à 4 heures, je mange ça. J'ai pris du sucre vanillé pour les gâteaux et de la levure. Voilà, j'ai pris chaque fois deux paquets parce que comme j'ai pas acheté beaucoup de gâteaux, je compte les faire moi vu que je fais souvent du 4 au quart, des cookies. Je fais un gâteau au chocolat de temps en temps. Quoi. Je vais essayer de les faire moi, ça sera toujours mieux que les gâteaux. Mais j'en prends quand même parce que quand je vais reprendre le boulot, il faut quand même que j'en ai un petit peu. Bon ça, voilà. Je viens de dire que je les ferai moi, j'ai des conneries comme ça. Mais ça, c'est la vie aussi. Ça fait du bien aussi au moral, des fois. Alors, en pâte, j'ai pris quoi? J'ai pris farfalle. Voilà. Et des coquillettes. Je voulais prendre des pâtes pour la soupe. Parce que ma fille, elle aime bien la soupe de pâtes. Et même qu'on n'est pas en hiver, c'est sympa le soir. Il n'y en avait pas. Alors, vu que j'ai pas trop l'habitude d'aller à Lidl, est-ce que c'est parce qu'ils n'en avaient pas au moment où je suis allée ou si qu'ils en ont jamais? Je ne sais pas. J'ai pris des sacs poubelles en 30 litres. Haricots verts,
petit pois carotte et des lentilles avec saucisse. Ça, on aime bien. Bon, pour continuer dans les bêtises, des sortes de maxi kinder. Ça, c'est pour ma grande. Des fois, 4 heures. Ouais. J'ai pris de la farine. Du coup, j'en ai pris 2 paquets. De la cassonade. Parce que je préfère faire les gâteaux avec ça. C'est meilleur. J'ai repris. Bon, ben, ça, voilà. La dernière fois, il a fait 2 jours le paquet. On va essayer, je vais essayer de le planquer. Du riz. J'ai pris de la crème entière liquide, j'en ai pris 2 paquets. Après là j'ai pris plusieurs tomates. Donc j'ai pris bolognaise, pur bœuf. Voilà. J'ai pris bolognaise basique. Et basilic. Je pense que basilic ça doit être bien bon. Ça change un peu je pense. J'ai pris du multivitaminé en 1 litre, j'ai pris 2 bouteilles. Et j'ai pris du jus d'ananas parce que ça j'aime bien. À ma petite, je lui ai pris ça, son lait de croissance, donc par 6. Pour tout ce qui est fruits et légumes, donc j'ai pris des framboises, 2. Ça, ma grande, elle adore. J'ai pris 2 lamaches, donc c'est ou pour nous ou pour les tortues. Des raisins. Bon, ça, c'est pour nous, par contre. Et j'ai pris 2 comme ça, de salade aussi, des romaines. Donc je pense en garder une pour nous et une pour les tortues. De toute façon, il faudrait que je retourne parce que les tortues, tous les jours, je leur ai mangé. Des endives pour les tortues. Ça, c'est pour faire le risotto. J'ai pris des petites tomates cerises de plusieurs couleurs. Ça, j'aime bien. Des bananes. J'ai pris aussi des œufs. Bon, ça, rien de transcendant. Vous savez ce que c'est des œufs. Et on va finir par la viande. Je trouvais qu'ils avaient quand même pas mal de choix. Alors, j'ai pris des saucisses de Toulouse. Ça, c'est pour mon copain. J'ai pris des assortiments saucisses, merguez et saucisses aux herbes. Vous voyez, c'était en date courte. J'ai pris, comme la dernière fois, les brochettes de poulet au thym ou au citron. C'était très bon. J'en ai pris qu'un paquet. J'ai repris le même lot qu'avant. Donc, saucisses, merguez. J'ai pris 2 paquets de pavés aux 3 poivres. Ça, on adore. Alors, du coup, j'en ai pris 2. J'ai pris des feuilletés aux chèvres, des fois avec une salade le soir ou même le midi quand je suis toute seule. J'ai pris des nuggets, des cordons bleus, des steaks hachés. Bon, je suis habituée à ceux de Leclerc, mais bon, on va essayer. J'ai pris de la viande hachée. Ah voilà, j'ai pris les aiguillettes de poulet panées déjà toutes prêtes, voilà, pour mettre dans les wraps. En plus, je trouvais que le contenant, il n'était pas énorme. Enfin, pas énorme. Enfin, il n'y en a pas non plus... Il y en a combien? 1, 2, 3... Il y en a 5. Donc ça peut nous faire 5 wraps, donc c'est parfait. Parce qu'après, quand il y en a trop, voilà. Et là, j'ai pris des pommes de terre à la sarladaise. C'est avec de la graisse de canard. Très light, je le reconnais. Mais écoutez... C'est tout pour mon retour de course. Je pense que c'est pas mal. Alors, je vais vous dire pour combien j'en ai eu. J'en ai eu pour 205,29 €. J'ai bien aimé faire mes courses là-bas. C'est vrai que c'est rare, mais je pense que j'irai de plus en plus. Par contre, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas trouvé certains trucs de ma liste. J'ai pas trouvé les croquettes pour mon chat parce que lui, il aime les friskies. Une fois, j'avais tenté d'autres, il les voulait pas. Donc, tant qu'à faire, je lui prends celle qu'il préfère parce que je veux bien qu'il mange mon chat. Donc il me manquait les croquettes, ben, les pâtes pour la soupe. Et je crois que c'est tout sur ma liste. Donc il faudra que j'aille maintenant acheter les croquettes pour mon chat. Ça va qu'il me reste un petit sachet de croquettes au thon qui date un peu. Enfin qui date un peu, oui. En fait il les aimait pas des masses, il préférait les friskies. Mais en attendant il mangera ça parce que de toute façon il faut les finir. Voilà. Ben écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.